Salut à toutes et à tous, c'est Mokta pour parler de tout, mais surtout on se retrouve pour la suite de Pokémon Bouclier. Beaucoup de choses ont changé, les potes. Entre les deux épisodes, il s'est passé pas mal de choses, puisque ça y est, j'ai trouvé mon sixième Pokémon, pour la simple et bonne raison que, eh bien, je me suis renseigné sur le Pokémon Krémy. Et vous aurez compris, effectivement, Krémy, c'est notre sixième Pokémon. Alors j'ai pris celui que j'avais capturé Route 4, je crois que c'était juste avant avec la ville de Percy là, je crois que c'était là qu'on l'avait trouvé. Enfin, en tout cas, j'ai pris celui que j'avais dans le PC, puisque j'ai fini par comprendre en me renseignant que Krémy, eh bien, évolue en le Pokémon Chantilly là, je ne sais plus comment il s'appelle. Que j'avais trop kiffé dans l'arène fée et tout machin. Et en fait, comme un con, j'avais pas compris que Krémy évoluait en ça, parce que rappelez-vous, je vous avais dit, ouais, j'ai regardé dans le Pokédex et tout, apparemment il est pas dans la map, ça doit être un Pokémon exclu à épée et tout, mais en fait non, espèce de con, c'est pas ça, c'est juste que c'est l'évolution de Krémy et que l'évolution n'est pas trouvable dans la nature. Et surtout, eh bien, j'ai découvert que ce Pokémon, eh bien, avait plusieurs évolutions. Alors attends, par contre, je sais absolument plus où il est dans le Pokédex. Oui, mon cul, ma bite. Oui. Allô. Ah voilà, Charmille. Voilà, Charmille, voilà, je trouvais plus son nom. Et en fait, j'ai découvert, bordel de merde, que ce Pokémon a 64 variantes. C'est-à-dire qu'en fait, ce Pokémon, pour faire évoluer Krémy en Charmille, alors vous le savez peut-être, moi je l'ai découvert hier soir, pour le faire évoluer en Charmille, il faut donner un sucre qu'on remporte au café à ce Pokémon, et il faut tourner sur soi-même, faire la pose Dracaufeu pendant 5 secondes, et selon le sucre que vous lui donnez, selon si vous faites la danse Dracaufeu de jour ou de nuit, et selon si vous le faites dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas, eh bien, il va évoluer d'une différente façon, un peu comme des variantes d'un gâteau. Et je trouve le concept ultra stylé. Déjà, le Pokémon en tant que tel, je le trouve très très joli, mais alors en plus, le concept de son évolution, je le trouve génial, parce que bah voilà, il faut faire la pose Dracaufeu, comme si tu faisais remuer de la crème en fait, pour que ça devienne de la chantilly. Et j'adore ce concept. Donc du coup voilà, j'ai mis Krémy dans la team, j'ai commencé à l'entraîner, terre sauvage et tout machin. Elle est pas encore au level hein, clairement, mais une fois qu'elle sera un peu plus en level, je la ferai évoluer. Je lui mettrai un petit sucre fraise et je la ferai évoluer. J'ai trouvé une variante que j'aime beaucoup, beige fraise. Je le ferai, voilà, je crois que c'est 2 jours et il faut faire 5 secondes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je crois que c'est ça, je vérifierai, mais on la fera évoluer ultérieurement. Là je la laisse un peu en Krémy pour bien laisser remuer la crème avant qu'on la fasse grandir. Et bien en m'entraînant, Torgamore a appris comment, une attaque eau beaucoup mieux que pistolet à eau. Il a appris Aqua Brèche. Ponyta a appris éclat magique. Enfin, Galopa, pardon. Et puis Krémy, oui, aussi. Alors, elle avait pas éclat magique à la base, ni vampire baiser et tout, mais elle apprend des choses vachement cool. Vachement, vachement cool. Donc, je suis content. J'ai enfin trouvé mon sixième. Au final, c'est vraiment le Pokémon que je voulais et je pensais qu'il était pas disponible, mais en fait, si. Et en plus, j'adore le concept, donc trop, trop bien. Et alors, du coup, on est à Smashings. On retourne à Smashings, et c'est littéralement Suereb, hein, de Pokémon Colossum, cette ville, c'est terrible. Alors, c'est un mélange entre Suereb et la ville de la Team Skull en 7G. Personne ne pourra accéder à l'arène si le rideau reste baissé. C'est quoi ce délire? Je vais m'enseigner.
Ah tiens, prends ça, t'en fais pas, j'en ai un rat, bonne chance. Merci beaucoup. Ah, c'est le champion. J'ai pas envie de me spoil sa tête. Bienvenue à Smash Things, prêt pour la mission des arènes. Allez hop, saute dans ton uniforme. Ah, c'est direct. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord, la ville c'est juste une arène, très bien. D'accord. Désolé, mais il y a juste pas moyen que je le laisse passer un gros bourge comme toi. Ok, tu vas morfler. Ah, très bien. Très bien, très bien. Alors. C'est parti. Non mais oui, du coup je suis content de mon sixième. Alors malheureusement bon, on va pas trop pouvoir l'utiliser encore. En combat parce qu'elle est un peu en retard. Mais ne vous en faites pas. On va essayer de la faire monter le niveau un maximum. Mais ouais d'ailleurs j'en ai reparlé avec mes potes tout à l'heure. Je trouve ça quand même très chaud. Hein. Je trouve ça très chaud, j'y ai pas trop insisté dans les épisodes d'avant, mais je trouve ça très chaud que... Je t'avais mal jugé, t'es de la street cred, t'es de la street cred. Mais je trouve ça très chaud que Sonia ne nous parle absolument pas de ce qui s'est passé à Kikyonam lorsqu'il y a eu le tremblement et tout. Oh, il y a une meuf en bikini sur ce poster, pourquoi ? Je trouve ça très chaud, parce que en fait, je comprends l'idée que, ok, on est des dresseurs... What the fuck ? Je comprends l'idée qu'on soit des dresseurs et que du coup ça nous concerne pas vraiment, ça concerne les adultes et tout machin que voilà on nous met à côté, mais de là à ne rien nous dire de ce qui s'est passé alors que ça avait l'air un peu dramatique, mais Sonia elle revient vers nous, elle nous reparle de la légende en mode tranquille, au calme et aller retourner faire des arènes, c'est quand même ultra chaud de nous tenir autant à l'écart des dramas quoi, parce que là j'ai quand même 6 badges, bientôt 7 là. Et je ne sais toujours absolument rien de ce qui se trame dans l'ombre. Et ça, pour un jeu Pokémon, je trouve ça quand même particulièrement gênant. Parce que même Rouge et Bleu, qui avait pas beaucoup de scénarios, il y en avait quand même beaucoup plus. Parce que au bout de 6 badges, tu savais, enfin, t'avais déjà affronté la Team Rocket plein de fois. Tu savais qu'il y avait du trafic dans la région, etc. quoi. Donc pour là, le scénario commence vraiment à me faire peur, quoi. Oui, je vais passer, oui. Bah bon, on en reparlera quand je ferai mon bilan dans le dernier épisode, hein, mais voilà, je vous parle un peu de mes ressentis pour l'instant, vu que c'est du direct, c'est de la découverte, c'est ce panneau. Je vous partage mes ressentis à l'heure actuelle où j'en suis dans le jeu. Oh mais qu'est-ce qu'il m'observe, hein. Anarchie, représente la team Yel. Quel enfer, ils vont se tuer, parce que... Ouais, je t'ai surpris. Non, parce que moi, je me suis surpris tout seul, et j'ai surpris mes genoux aussi. Ouf, l'atterrissage en douleur. On se fait un petit combat pour oublier la souffrance. Ah, donc l'épreuve, c'est que des combats apparemment, non? Mais du coup, mais je comprends pas pourquoi la team Yel elle est autant présente dans cette ville et qu'il y a personne d'autre. Je comprends vraiment pas. Alors, super efficace. J'ai perdu. Et en plus j'ai hyper mal au genou, c'est violent. Bah toi j'avoue, non seulement t'as perdu ta clavicule, mais en plus bon. Hein. Adios. Au revoir monsieur. Un rappel max, cool. Donc, pour l'instant j'ai pas trop souffert, donc j'ai pas trop besoin de retourner au centre. Ça, c'est juste une ligne droite quoi, cette rue, quel enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais quelle angoisse! T'as vu nos flip-flops un peu? On les a bossés comme des folles. T'es scotché, hein, avoue. Tellement scotché que tu vas me laisser gagner. Mais oui, non, mais ouais, ils auraient pu, je sais pas, nous montrer en cutscene ce qui se passe. Ou même sans impliquer le dresseur, tu vois, on pourrait avoir tous les deux badges, je sais pas, une petite cinématique qui tease des dramas, quoi. Parce que là, mais franchement, mais. Enfin. T'es censé ne rien soupçonner de rien du tout quoi à l'heure actuelle quoi.
y a rien qui se passe, quoi. Enfin, tu devines ce qui se passe, parce que bon, j'ai cramé chez Rose, et ça se voit que, enfin, l'événement de... Tu vois que l'histoire, elle a été bafouée et tout machin. Oui, ok, tu sens qu'il se passe des choses, mais... Mais putain... C'est vraiment, mais... Le défi des arènes, priorité number 1, 2, et en 3, il y a les dramas. Et non, en 3, il y a quelque chose de louche. C'est même pas des dramas, c'est un truc louche. Au revoir, Dimoré. On a battu. Hein, quoi? C'est déjà fini? Sérieux? L'arnaque. Oh, bah, désolé, ma grande. Hein, c'est pas mes flip-flops que j'aurais dû bosser, mais ma tactique de combat. Merci pour le rappel. Chou 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 chou. Il y a quoi par là? Ah, très bien. Anarchie. Ouais, c'est vraiment leur ville en mode. Quelle angoisse, quoi. J'ai pas eu le temps de me préparer. Ouais, la Team Yell, c'est nous, les dresseurs de l'arène de Smashings. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'ils étaient d'abord... est-ce qu'ils étaient d'abord sous la coupe d'un champion et après ils sont... Enfin, je comprends pas. Est-ce qu'il y a que certains Team Yell qui sont des supporters de Rosemary? Est-ce que toute la Team Yell est supportrice de... Est supporter de Rosemary? Je... J'ai un peu du mal à comprendre comment ça se passe. Par contre, Crémy... Ah, en vrai, t'es pas tant en retard que ça, hein. Je vais te faire combattre un peu. Ah bah, en plus, oui, en plus, voilà. Elle avec la magique. Vas-y, Crémy. Non. Ok. Prenez-vous-en à Corvallus, si vous voulez. Protège ta petite sœur, Corvallus. Avec la magique. Tiens. Ouf, les dégâts, hein. Pas mal. Les dégâts qu'elle aurait fait si elle était niveau 50, mon pote. Je pense que vous auriez tous vu flou. Aiguisage. Donc logiquement, ça va être type poison, la reine, non? Je sais pas. Je spécule. Hein. Je ne suis pas du tout... Je veux pas me spoiler la carte. J'ai pas envie de regarder la carte du champion. J'ai envie d'avoir la surprise. Non mais ça aurait été plus simple si t'avais perdu, tu crois pas? Est-ce que j'ai perdu en tant que membre de la Team Yell ou en tant que dresseur d'arène? Bah ouais, c'est bien ce que je me demande. Qui êtes-vous? Genre, qui êtes-vous? Ok. Vous allez la boucler, oui. La bouclier. Ah, Antoine, je suis désolé, ces idiots de la reine viennent me dire que c'est pour moi qu'ils ont fermé le rideau. Fallait bien qu'on trouve quelque chose. Smashing est en train de tomber à l'abandon. Et Peterson, le soi-disant champion, il fait rien. Il se contente de dire ça va aller. Donc bah on a décidé de créer la Team Yell, on s'est dit qu'il fallait mettre des bâtons dans les roues des autres challengers. Ouais, d'accord. S'ils peuvent pas entrer dans la reine, ils sont bloqués, tu vois. Et Rosemary serait la seule à pouvoir terminer le défi. Mais quel enfer. Ça augmenterait tes chances de devenir maître, tu vois. J'hallucine. On n'a pas la même définition de supporter. Antoine, t'occupe pas de tout ça. Et fonce. Oh, trop bien. C'est... Putain, mais c'est comme dans... l'arène un peu under... le style un peu underground, ça fait comme dans Détective Pikachu. Alors, je vais me soigner un peu. Alors... Même si j'ai pas tant que ça besoin de me soigner, mais soyons à fond quand même. Voilà. Je vais pas mettre Corvallus en premier, on va un peu varier. Voilà. C'est important de varier, de pas toujours voir les mêmes. Oh, le magasin Ténéfix. Oh la vache! Ah oui, donc c'est lui en fait qui était pas là à la cérémonie d'ouverture. C'est donc pour ça qu'il y était pas. C'est un branleur, c'est ça?
Phew, c'est pas trop tôt. Je me demandais si quelqu'un finirait par se pointer. Je commençais à grave déprimer, en fait. Je me disais que si personne venait, c'était parce que j'étais trop naze comme champion et que mon arène était moisie. Enfin, c'est Splatoon. C'est un gars de Splatoon. Je suis Zikos, j'ai Louis Fine. J'ai bien entendu que le rideau de la ville se fermait, mais bon, qu'est-ce que j'aurais pu y faire? Du coup, je me suis réfugié dans la musique pour oublier ma solitude. On n'a pas de gros stade moderne comme les autres à Smashings. On peut pas dynamaxer les Pokémon ici. Du coup, ce sera un combat basique, mais j'espère que ça t'ira quand même. Bah, si tu veux, mec. Le champion de Smashings ne craint personne, le virtuose des ténèbres, Peterson. Tu oses me défier? Erreur, fallait te méfier, car mon équipe va te laminer, Smashing, yeah. Très bien, un petit flow comme ça, ça fait du bien. Peterson. Oh, en vrai ça, j'aime beaucoup son je vais y arriver, son design. Le public nous acclame, faut pas le décevoir. Bagaïd, en avant, intimide son Pokémon. C'est vrai que tu m'intimides beaucoup avec la magie. Ah non, j'aurais dû mettre Après, je vais peut-être changer avec Krini. Pour un peu l'entraîner. Ah oui, j'ai mis le jeu en défini aussi. C'est-à-dire que je peux pas, le jeu va pas me proposer de changer de Pokémon quand il va en envoyer un autre. Le jeu, je le trouve tellement simple pour l'instant que voilà, j'ai enlevé ça parce que c'était pas possible. Oh la vache! Ixon. Son cri fait flipper. Ah! Incroyable! Linéon a une évolution. Mais c'est ultra craqué. Oh putain! Mais c'est énorme! Zigzaton a deux évolutions. Ah, je dis oui, hein. J'adore l'idée. Oh, mais en plus, il est trop stylé. On dirait Wergarurumon. J'adore le concept. Il est trop classe. Mais c'est vraiment Wergarurumon, quoi. Genre l'espèce à quatre pattes qui se relève et qui racaille, enfin c'est tellement... Regardez sur internet Where Garurumon, l'évolution de Garurumon en Digimon, c'est ça quoi. Alors elle veut apprendre soin. Confusion. Ouais, contre ça, allez. Soin. Niveau 50. J'aime pas quand vous prenez des niveaux, putain, elle a encore plus de retard. C'est pas atroce, mon ton envie de révolte avec ton talent contestation. Très bien. Galopa, je compte sur toi. Je compte sur toi, ma grande. Oh bah, je ne t'en demandais pas, attends. Ah là, par contre, ça va peut-être me one-shot. Ouais. On va essayer Krémy. J'ai envie qu'elle prenne du level. J'ai envie de l'adresser un peu, de l'entraîner. Hop! Elle est toute mini. Éclat magique. Super potion. Non, c'est bon. Ah! Oscu! Très bien. Oh, mais non, mais. Saloperie. Coup critique, hein. Putain. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je fais juste rappel pour qu'elle gagne de l'XP. Oula. Ah oui, quand même, ça fait un peu mal. Hein. Aquabrèche. Est-ce que je vais être plus rapide? Oui. Quand je quitte la scène, c'est pour de bon, alors jusqu'au bout, je me donne à fond. Je me fais peur.
Mon flair montre que t'es rocker qui a pas peur de son odeur et tout. Ouais. Ok, on lui fait mal quand même. Ah, c'est son dernier, oui, en plus. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, là, je suis pas sûr que je tienne. Ah, si. Yes. Bravo, Torgamor. Torgamor. Voilà. Et bah de 7. Ah mais non, ouais, par contre je suis ton KO. Terrible. Et de 7. Au moins on aura tout donné mon groupe et moi, on se reverra. Mais oui, c'était un beau combat, tu as fait ce que tu as pu. On a vraiment apprécié ce combat, mais Pokémon et moi, on a tout donné. Le mec avec ses PC derrière, la régie, hein, une régie. Hein. Tiens, voilà le badge ténèbre. Ouais, c'était un mec ténèbre. Okay. Et de 7. Plus qu'un. Plus qu'un, et nous serons à la ligue. Et maintenant, les cadeaux de mon uniforme, j'essaie peut-être que je pourrais le vendre pour mes concerts. C'est pareil que la suivante, c'est Rosemary, c'est ma sœurette. Ah, c'est ta sœur! Franchement, je suis ému. Tu regardais, sœurette? C'était pas très reluisant pour moi. Mais si, j'adore mater ton style de combat, t'es mon modèle, frérot. Ouais, ouais. En fait, Rosemary, faudrait qu'on cause d'un truc. J'aimerais bien te céder la reine des Smashing si tu ferais une bonne championne. Oui, ouais, je sais. Tu veux arrêter à la fin du tournoi, ça? Moi, je pense que t'assures. Tu Dynamax pas tes Pokémon, et alors? T'es un super champion. Donc, tu m'excuseras, mais non. Hors de question que je devienne championne à ta place. Et puis. Mon but c'est d'être maître, je peux pas être championne aussi. Je comprends. Voyons voir si tu as l'étoffe d'un maître, battons-nous. Dis Antoine, merci encore pour ce super combat. Ça se voit que mon frère a adoré. Mais là c'est à moi de l'affronter. Tu veux bien me laisser en tête à tête? C'est un truc de famille. Elle est chou, elle est tellement chou. Elle est toute simple, mais elle est tellement de. Elle a tellement d'intentions mignonnes sans être dans l'extra, enfin dans l'extrapolation, tu vois. Oula. C'est la cata. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oula, il y a un drama, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Antoine, t'es venu m'aider à trouver d'où venait ce bruit? C'est gentil, mais t'inquiète, je m'en occupe. Nabil et toi, vous n'avez qu'à vous concentrer. Quoi? C'est une blague. C'est le seul champion que j'ai envie de dire comme mon égal. Bon courage. Ah bah oui, c'est le... Oui, c'est celui de... Oui. J'ai du pain sur la planche. J'ai une mission pour le maître invaincu de Galar. C'est une blague. C'est une blague, je vais rien voir. C'est une blague. C'est une blague. Attends, je peux vraiment pas voir ce qui va se passer. Bon, alors, je vais un peu me retenir, mais c'est quand même ultra chiant. Ouais, ok, ma team est soignée, donc je vais pas me faire chier à... je vais pas me faire chier à voler. Ah, d'accord. Très bien. Mais c'est une putain de blague. Mais je peux... Mais attends. Ah, ça me rend ouf. Bon, alors... Je peux même pas aller dans la zone là, parce qu'il faut que j'aille à la... Ah. Mais attends, mais par où je vais alors? Par où je passe? Mais attends, mais c'est où? Faut bien que j'aille là. Oui, non, oui, ok, faut que j'aille là. Faut bien que je prenne le tunnel. J'ai cru que c'était barré. Alors attends. Vous êtes littéralement des obstacles, les gars. Poussez-vous un peu, quoi. Le défi des arènes, c'est important. Antoine! T'as vu un peu ce qui s'est passé? C'est ouf! Non.
Sérieux, t'as tu... il y a eu un gros bam, puis le fangeur a appliqué. Et là, il y a une grande lumière rouge qui est apparue. Un Pokémon sauvage, je connais. Ok, donc il s'est passé un truc, on n'a rien vu et tout machin. Très bien. Alors ça me rappelle un système de narration de Oda, qui est très très cool, de la façon dont il l'utilise. Mais alors là, là c'est ridicule quoi. Là ça fait limite, bon j'extrapole, hein. Mais ça fait limite, ouais alors on va pas vous montrer une cinématique dramatique et tout, parce qu'on n'a pas trop le budget et tout, ni le time. Donc on va juste vous montrer par image ce qui s'est passé, mais on va pas mettre de cinématique et tout à la le réveil de Kyogre ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, ça m'horripile de pas avoir de drama. C'est un truc de ouf. Mais bon, j'ai peur que ça va lancer des trucs un peu plus loin. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et puis, eh bien, rendez-vous la prochaine fois pour, eh bien, bah, logiquement, la dernière arène, le dernier badge déjà. Donc, eh bien, écoutez, d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Sortez courir, mangez 5 kills par jour. Et puis, j'espère que le jeu continue à vous plaire. Enfin, l'aventure continue à vous plaire. Des bisous, les gens.